de se dire, voilà, à partir du jeudi, bon, mais le match est, ou mercredi, le match est reporté. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu dur à gérer, mentalement surtout. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce début de semaine, il a fallu remettre un peu de tension, de contact aussi, pour qu'on se remette vite dans le truc, parce que ça va nous faire avoir, sinon. C'est vrai que par rapport à ça, bon, mais on est en constante adaptation, je dirais. Non, c'est vrai que c'est pas facile de jouer à Mayotte, parce que c'est un endroit. Pour moi, c'est le temple du combat. Hein. C'est vrai qu'un peu moins maintenant, parce que les époques font que c'est plus le même rugby, quoi, mais. Un déplacement à Mayol, c'est particulier. Hein. Moi, je l'ai toujours vécu comme quelque chose de différent. Comme tu rentres dans ce stade qui est en plein centre-ville, tu as ce pilou-pilou au début. Moi, je pense que le public là-bas, c'est comme à Bordeaux, le public est un grand public et toujours c'est compliqué de jouer là-bas. Parce que Mayol, ça reste quand même. Ça reste quelque chose de différent. Bien sûr, toujours c'est très compliqué de jouer là-bas parce que c'est une grosse équipe. Beaucoup de bons joueurs internationaux. Et c'est sur ça où il faut pas du tout sous-estimer cette équipe, de par leur individualité, mais de par la situation, je crois que ça peut rendre encore plus difficile Ils vont se mettre sur la dimension physique, sur pas prendre de risques, occuper, jouer au pied, mettre de la pression par les avants, porter les ballons, ne pas avoir un jeu avec beaucoup de passes, un jeu direct. Et je pense que la conquête, c'est plus important dans un match comme ça. Je pense savoir à quoi s'attendre, à quoi m'attendre sur ce genre de match-là, avec beaucoup de combats, beaucoup d'engagement, match de vent, quoi, match de guerrier. Pour moi, c'est toujours concentré et donner ton maximum dans le terrain. Et que Toulon n'est pas censé être dernier du championnat, donc. Je pense sincèrement, voilà, que ça va être encore plus difficile, même si ils sont derniers, qu'on est premier sur la photo, je dirais. Mais ça reste Toulon. Et ça Donc reste. évidemment qu'ils vont travailler sur le jeu, évidemment qu'ils vont travailler sur ce qu'ils peuvent améliorer du match, mais surtout ils vont chercher à se resserrer, quoi. Parce que c'est pas une semaine qu'ils vont changer la face du monde, hein, sur le plan du jeu. Donc voilà, l'entame de match sera sûrement chaude. Donc il faut vraiment rester la tête froide là-dessus et s'attendre à un match voilà, plus que compliqué parce que je pense que derrière ça risque de résonner fort dans les tribunes.